Quand un mammifère se coupe, un être humain par exemple, une simple petite coupure, l'organisme répare tous les dégâts. Des cellules spécialisées dans la production de peau se divisent et la plaie se referme. Quand il y a amputation, alors là, c'est beaucoup plus grave. L'organisme ne peut pas tout réparer. Les cellules spécialisées dans la production de peau se divisent et la plaie cicatrise, point à la ligne et point de suture. Chez les salamandres, c'est très différent. En cas d'amputation, à ce niveau, des cellules très particulières qu'on appelle des cellules souches se mettent au travail. Ces cellules ne sont pas spécialisées, elles sont bonnes à tout faire. Alors, dans un premier temps, elles se divisent, puis elles se spécialisent. Certaines dans la production d'os, d'autres dans la production de peau, d'autres encore dans la production de ligaments, etc., etc. Au bout de quelques temps, le membre amputé est reconstitué.